Donc le pré-verger, on va dire, jeune, demande beaucoup d'intervention, aussi bien au niveau de la protection, hein, remettre à jour la protection, puis la taille de formation, hein, qui est importante. Bon, à planter à 80 pieds hectare, sur une surface d'un hectare, on peut estimer à peu près 2 à 3 jours par an, minimum d'intervention, quoi. À taille adulte, bon, la protection est, on va dire, plus rapide. Si on met encore des cages picots, on va dire une fois tous les 3 à 4 ans à réintervenir, hein, ou doubler, ou laisser à nu l'arbre. Mais bon, les tailles continuent à prendre ouais, à peu près 2 à 3 jours à l'hectare de taille, quoi. Bah là, l'entretien se fait surtout à cette époque, hein. On va intervenir sur les vergers, surtout on va dire en fin d'hiver, hein, pour la partie taille, avant la reprise en végétation. Donc ça demande beaucoup beaucoup de temps quand même. Mais bon, là, de toute façon, on ne peut pas mettre les pieds dans les autres cultures, donc on profite de cette période un peu plus humide pour intervenir. Donc ça, sur la partie pré-verger, maintenant on s'est équipé d'une ramasseuse, donc ça va relativement vite. La partie ramassage va débuter à partir de fin septembre, hein, sur les fruits les plus précoces. Et peut aller jusque décembre, mais bon, selon les variétés. Souvent, c'est ramassé, stocké, on va dire maximum une semaine en box. Après, ils sont transformés soit en jus de fruits pasteurisé ou en cidre. Donc là, cette partie-là sera effectuée, on va dire, de la période d'octobre à décembre. Ben on va dire, l'aspect ramassage se fait selon, on va dire, la maturité des fruits. Hein, nous, on utilise surtout du fruit de transformation, donc on fait tomber vraiment à la fin de cycle pour ne pas être obligé de passer multiples fois. Donc on passe 2 à 3 fois maximum sous les vergers en ramassage mécanique. Donc selon les variétés, on va intervenir à chaque variété selon la même maturité, quoi.